voyez, on a un caviar qui est assez foncé, fin. Il y a de l'acidité dans le parfum. Voilà, vous allez voir. Merci. Là, si vous voulez, par rapport à un caviar, disons, de classique, de haut de gamme, on peut voir déjà une première chose, c'est que le grain, il a subi un traitement pour le rendre bien ferme. Pour moi, le problème, simplement, là, tel que c'est, un caviar un peu plus ferme que la normale pour un transmontanus. Le grain est un petit peu trop roulant pour ne pas avoir subi un petit traitement thermique. Au parfum, tout de suite, on a une acidité qui ressort. Voilà. Puis après, en dernier, donc au goût, on a la même acidité qui ressort. On la sent bien. Il y a un petit goût, un petit goût de terre, un petit goût terreux, un goût terreux qui est même assez présent. Et disons que le caviar, il picote un petit peu. Donc c'est un caviar qui n'est pas, disons, ce qu'on peut appeler un super haut de gamme.